Bien le bonjour, mes amours. Alors j'espère que vous allez bien. Moi je suis un petit peu ramollo aujourd'hui, mais pour des bonnes raisons, pour une fois des raisons fort sympathiques, vu que j'ai vu un film tout plein d'émotions. J'en parlais au début durant le pré-live. Alors j'en profite. Waouh là là, la série de 45 visionnages et Christo les 100. 120 visionnages, mais les gens qui flexent, vous avez bien raison, c'est incroyable. Vous me coupez le souffle. Les gens, c'est la folie. Est-ce que vous avez vu ça, les gens? 120 visionnages d'affilée. Alors, je suis pas capable de calculer ça parce que je suis dyscalculique pour de vrai. Mais en gros, je fais 3 lives, au mieux, 2 lives au pire par semaine. Donc, 120, ça fait, je sais pas combien de mois ça fait, mais c'est monstrueux. C'est assez incroyable. Je me demande si ça fait pas 1 an. Si quelqu'un peut me calculer ça, depuis combien de mois il a pas raté un seul live, Christo, et même random, hein, 45 visionnages, c'est incroyable. Couche à tort, 35 visionnages. Allez, c'est les flex en série. C'est la folie. Bravo à vous, les gens. C'est vraiment une fidélité qui me touche beaucoup en plus. Vous savez que moi, j'ai toujours dit, hein, évidemment, les subs, c'est trop cool. Évidemment, les bits, c'est super. Les follow, génial et tout. Mais ce qui me touche le plus, c'est de voir revenir les noms. À chaque fois que je vois revenir les mêmes noms, c'est que je me dis, sans doute, je fais pas de la merde. Vous voyez ce que je veux dire? Vous revenez, personne vous a mis un flingue sur la tempe pour être là. C'est que, sans doute, c'est bien ce que je fais. En tout cas, pour vous. Et du coup, ça me touche énormément. 120, c'est au moins 40 semaines à 3 lives semaine. La vache! Je sais pas si vous vous rendez compte, mais un an, c'est 52 semaines. Donc, si ça se trouve, en comptant que dans le tas, il y a eu des lives à deux lives au lieu de 3, ça fait peut-être même bien 1 an que tu es complètement fidèle, Christo. C'est la folie. Merci énormément à toi d'être là. Je suis infiniment touchée. C'est parce qu'on t'aime, Crisa, c'est tout. Tu vas me faire pleurer. Tu vas me faire pleurer, ça me fait plaisir. Merci pour l'amour, les gens. Là, je vous disais, je suis pleine d'émotions justement parce que j'ai vu un film qui est très émotionnant, parce qu'il est très chouette. C'est le dernier Downton Abbey qui est sorti en 2022. Le premier était très mauvais, très mal joué, très mal écrit, etc. Mais alors celui-là, il est très très bien et il est fait pour développer toutes sortes de belles émotions, de moments joyeux, des moments émouvants, etc. Donc on pleure pour toutes sortes de raisons. Exactement comme du bon cinéma devrait vous faire pleurer. Et du coup, je viens de passer les 2 dernières heures là avant le live à pleurer comme une madeleine. Et couche à tort veut me faire enchaîner. Et vous aussi, en vrai. Merci pour le love random. Merci beaucoup pour le love colors, Yonero. Merci beaucoup tout le monde. Et bravo à vous pour vos visionnages. J'en reviens pas. Hein, c'est la folie. Alors du coup, bienvenue à toi, Tonio. Je pense que parmi les gens qui sont là, en tout cas dont j'ai vu les noms pour l'instant, tu es le seul qui n'est pas habitué. Alors du coup, j'en profite déjà pour te dire merci beaucoup pour ton follow là qui vient d'arriver. C'est gentil comme tout. Et te souhaiter la bienvenue. Et ben nouveau follow Siana aussi. Bienvenue à toi Siana, des bisous. Et puis du coup, voilà comment ça se passe. Quand on arrive, en général, je fais un petit bilan de voilà, tiens, voilà comment j'arrive, voilà quelle est l'humeur du jour, etc. Et puis ensuite, on parle justement de ce qu'on va faire un petit peu, mais surtout, on fait les bonjours. C'est-à-dire que je prends la peine de saluer nommément la présence dans l'ordre de tous les gens qui sont arrivés avant qu'on commence le stream. Et donc, évidemment, quelquefois, il y a des facétieux qui rajoutent des phrases et des phrases et des phrases pour que ça s'arrête jamais. Mais normalement, au bout d'un moment, on a fini le chat et là, on commence le live, évidemment. Et donc, du coup, on va faire ça tout de suite. Et qui c'est qui était au taquet? Eh bien, bien évidemment, parce que c'est très souvent le cas, c'était Christo qui m'a dit bonsoir, Chrysalia, avec le petit cœur. Fromage. Des gros bisous, Christo, bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. En vrai, je sais parce qu'on a parlé un petit peu durant le pré-live. Alors, je vous rappelle qu'on bavarde à quelques-uns environ 30 minutes avant le début des streams. Donc, en gros, si c'est 19h30, on arrive vers 19h. Et puis, on se donne des nouvelles, on se parle de la météo, on se dit ce qu'on a fait ces temps-ci. C'est un moment fort agréable et je tiens toujours à préciser que ce n'est pas un club privé, c'est-à-dire que vous pouvez nous rejoindre pour le pré-live.
ceux qui veulent sont complètement bienvenus. Au fil du temps, il y a des gens qui se sont greffés et qui bavardent avec nous. Et ça fait toujours plaisir. Donc n'hésitez pas à passer nous faire un coucou. Et alors justement, le second, juste après Christo, c'est bien souvent Random. Et cette fois-ci, c'était le cas. Random PNJ, coucou à toi. Des gros bisous et un grand merci à toi aussi pour ta fidélité, évidemment. Et alors, par qui a été suivi Random? Cette fois-ci, c'était Yunero qui s'absodose. Coucou à toi, Yunero. Merci pour le petit emoji supaplex, le petit emoji canard en plastique. Alors, si vous ne savez pas pourquoi je parle du canard en plastique, je vous raconterai ça tout à l'heure. Posez-moi la question tout à l'heure après les bonjours. Si vous ne connaissez pas la méthode du canard en plastique et si vous ne savez pas pourquoi il y a un emoji canard en plastique sur cette chaîne. Alors ensuite, qui d'autre y a-t-il qui est arrivé juste après Yunero? Je crois bien que c'est Benders, mais je suis pas sûre de moi. Je suis en train de scroller pour retrouver le moment où quelqu'un est arrivé. Alors je regarde, là c'est Yunero, et non c'est Random, et moi, ouais c'est Benders qui est arrivé juste après avec le petit clin d'œil de l'emoji d'Ango. Merci beaucoup à toi pour le bonjour et pour le clin d'œil Benders, mais tu nous as dit que tu ne pouvais pas rester, ce que je comprends très bien. Merci à toi de ta fidélité de l'ordinaire, et merci beaucoup pour ton coucou d'aujourd'hui, des gros bisous Benders. Je ne sais pas si tu es encore là, mais en tout cas on t'envoie du love, et puis c'est très gentil d'être passé dire bonjour. En général, Benders, il est là, hein, c'est vrai. Mais là, cette fois-ci, il peut pas, mais il a bien le droit. Une bonne soirée à lui. Et bravo à Random pour avoir eu les doubles étoiles, à la joie. Apparemment, il y a pas mal de doubles hein, qui sortent. Vous avez de la chance. C'est trop bien. Et alors, juste après, qui d'autre avons-nous? C'est Couchator. Coucou à toi, ma chère. Mes hommages, divine dame Chrysalia. Ouh là là, des bisous. Merci pour l'amour, ma chère. Et merci pour ta présence et ta fidélité à toi aussi. 35 visionnages, c'est incroyable. Merci beaucoup et plein de love surtout. Et alors ensuite, qui d'autre y a-t-il? Est-ce que j'ai dit bonjour? Non, JD, il a dû arriver juste après. Parce que je crois me rappeler qu'il y avait JD après. Et non, c'est Tonio avant. Et ben coucou à toi, Tonio. Tu vois, du coup, on en arrive à toi. Oh, bonjour. Bienvenue. N'hésite pas, si tu as des questions, n'hésite pas à te poser avec nous. Ça va être un live pas vraiment stressant aujourd'hui, mais un peu stressant quand même, puisqu'on va essayer d'affiner la technique pour être prêt définitivement à aller faire le temple de la mer. J'en parlais l'autre fois, c'est pour ça qu'on a fait les couleurs. Je me sentais pas prête parce que quand j'ai retesté la technique, je suis morte plusieurs fois. Alors heureusement, morte pas dans le hardcore, hein, c'était sur le créatif. Le créatif où on teste les choses. Mais du coup, ça n'augure rien de bon pour le hardcore en fait. Hein. Et je vais vous en parler. J'ai trouvé des failles à la méthode qu'on avait. Et donc, on va essayer d'autres choses, notamment la méthode de Fluid Silhouette. Fluid Silhouette, elle m'avait conseillé les potions d'invisibilité. Et effectivement, s'il n'y a pas de noyé qui spawn, alors à ce moment-là, c'est intéressant. Parce qu'il va falloir jongler avec j'enlève l'armure, je prends la potion, à un moment, je remets l'armure, j'arrive à m'en aller, etc. Mais en attendant, ça pourrait être intéressant. C'est justement ce qu'on va tester aujourd'hui. Alors après Tonio, qui donc est arrivé que je regarde? Alors attendez, est-ce qu'il n'y avait pas JD quand même à un moment? Je suis étonnée, j'ai vu JD arriver, là je le vois pas. Est-ce que je t'ai raté JD? Est-ce que je ne l'ai pas vu? Ou alors est-ce que j'ai rêvé l'arrivée de JD qu'en fait il n'est pas là? Mais si, salut tout le monde, comment allez-vous? Oh bah du coup je t'ai raté JD, mille excuses pour ça. Et je t'envoie, du coup je t'envoie du love et je suis vraiment désolée. Double dose d'amour pour JD, je rappelle que si je vous rate, c'est de droit. Vous avez double dose de love, double dose de bisous. Du coup plein d'amour sur toi JD, je suis désolée d'avoir raté ton pseudo. Apparemment en scrollant, je pas vu. C'était juste avant Couchator, effectivement. Et ben du coup, est-ce qu'on y est? Est-ce que j'ai réussi à arriver jusqu'au bout du chat? Apparemment, oui. Je vous revois passer le message d'amour de Couchator. Merci beaucoup, ma chère. On a bien failli, alors j'ai pas vu, avoir des inondations par chez moi. Oui, j'espère que ça va bien les gens après le passage de la tempête. Effectivement, d'après ce que j'ai compris, il y a eu pas mal de trains retardés parce que forcément, dès qu'il y a des inondations, c'est compliqué. Inondation et incendie, la pire des choses. Et encore un incendie, tu peux toujours essayer de l'éteindre, mais l'eau, tu peux rien faire. Exactement.
Exactement, l'inondation, c'est pas les mêmes dégâts, les bâtiments en hauteur ne subissent pas les mêmes dégâts, mais par contre, tout ce qui est au niveau du sol, les garages, les sous-sols, etc., c'est une grosse destruction. Et puis, ben, si ça atteint les fondations des maisons, s'il y a des glissements de terrain, ça peut rendre carrément les maisons inhabitables, etc. C'est l'horreur, hein, effectivement. Donc, vraiment, c'est pas terrible. J'espère que tout le monde va bien, en tout cas. J'ai rien vu passer sur Discord, hein. Souvent, quand il y a des soucis, on en parle. Mais en tout cas, j'espère que ça va tout le monde. Alors, on va se mettre sur la petite scène du jeu. Je rappelle, hein, on le fait depuis 6 ans. C'est un peu un test grandeur nature. Vous savez que je ne renonce à rien pour vous. On teste de savoir si c'est mieux d'afficher le jeu quand on stream un jeu. Et apparemment, c'est mieux. Ah, mais alors, attendez, juste 2 secondes le démarrage parce que j'ai pas jonglé comme il fallait avec les trucs de son. Voilà, hop! C'est mieux. Voilà, donc là maintenant on a bien le son et d'ailleurs on va se mettre le petit tapis musical qui va bien. Ça y est, il a démarré. Et voilà, on est lancé. Alors, regardez-moi ça. Oh, des éponges. Alors en vrai, là, c'est un des temples que j'ai fait, donc on va aller en faire d'autres. On va essayer de faire un petit peu le proofing de cette espèce de méthode qu'on a trouvée à base de TNT pour rentrer très vite. Et le problème que j'ai, alors attendez, je vais me mettre en mode spectateur parce que du coup, comme ça, on va pouvoir... Comment? Eh mais attendez, c'est encore une de plus. Parce qu'en gros, il y a je sais pas combien de salles d'éponge dans ce bâtiment. Regardez, ça fait une ici, là, que vous voyez. Et normalement, il y en a à un moment 2 autres. Et j'en avais enlevé 2, moi. Donc en fait, ça ferait 5 salles d'éponge. C'est pas possible. Là, il y en a une, mais elles sont où les autres? Normalement, il y en avait d'autres ici, peut-être. Voilà, regardez, il y en a une de plus ici. À moins que ça soit toujours la même. J'ai pas l'impression que c'est toujours la même. Si, voilà, il y en a 2. Regardez. Là, il y en a 2 côte à côte. Et là-bas, il y en a une de plus. Et moi, j'en ai enlevé 2. Donc, ce temple-là, il avait 5 salles avec des éponges. Eh ben, j'espère tomber sur le même genre de temple sur le hardcore, hein. 5 salles d'éponges. Temple sponsorisé par le crabe croustillant. Je ne l'ai pas. Pourquoi le crabe croustillant random? C'est une marque d'éponge, c'est une marque de produits de nettoyage. Et on pourrait dire sponsorisé par Scrub Daddy. Ici, là, vous savez, Scrub Daddy, c'est celui qui sponsorise tout le temps les trucs de... Ah, Bob l'éponge, c'est le resto dans Bob l'éponge. J'avais pas la ref. Je crois, je connais Bob l'éponge comme personnage de la pop culture, mais par contre, je crois que j'ai jamais vraiment vu un épisode. Du coup, j'ai pas toutes les petites refs secondaires de ça. Effectivement, bah écoute, oui, sponsorisé par le crabe croustillant. Et comme quoi, il faut chercher parce que cette salle-là, je l'avais toujours pas trouvée. Mais ce qu'on va faire, alors je vais vous montrer la méthode dans un prochain temple, hein. Mais donc la méthode ici, si je l'explique ici, parce que c'est facile en étant en spectateur de voguer pour vous montrer, puis c'est plus rapide aussi. Alors, on va arriver dans le temple en essayant de trouver, voilà, cette ligne lumineuse-là. La ligne lumineuse que vous avez là, en gros, ça détermine qu'il y a un gardien ici. Vous voyez que j'ai fait exploser. Il y a un gardien là, j'ai fait exploser, et il y en a un au milieu. Donc le but du jeu, ça va être de repérer à travers l'eau où est cette ligne lumineuse, sans doute d'arriver jusqu'ici en bateau, et là de retirer entièrement l'armure, ce que j'ai fait ici, et de prendre une potion d'invisibilité. Bah là j'en ai plus, mais c'est pas grave, on est en créatif, hein. Je vais pouvoir reprendre tout ça. Et donc du coup, quand on voit cette ligne lumineuse, on se met à poil. En gardant juste un totem dans la main et on garde par contre bien sûr dans l'inventaire tout ce qu'on a ici et notamment l'épée qu'on aura dans l'autre main. Et puis bien sûr on aura les TNT, je sais même pas ce que j'en ai fait d'ailleurs, pourquoi j'ai plus si elles sont là. On aura les TNT toujours au même endroit, on aura juste après les TNT du sable et aussi un briquet. Et donc l'idée c'est qu'avec la potion d'invisibilité, on va se rendre ici.
et faire péter ce couloir, et puis ici et faire péter ce couloir, et ensuite en haut faire péter là, tuer les trois gardiennes, ça c'est très facile, et puis après c'est là où il va falloir continuer avec des potions d'invisibilité, etc., et notamment aussi de respiration, pour pouvoir creuser dans toutes les salles, etc. Alors apparemment, quand on est dans le temple, on n'a pas à craindre les noyés. Donc ça, c'est aussi pour ça que je me suis mis ici, pour voir s'il y avait des noyés qui allaient spawner. Et apparemment non, effectivement. Donc là en bas, je crois pas qu'il y en ait. Ouais, c'est des guardianes, hein, mais vous voyez qu'en bas, il n'y a pas de noyés. Donc je pense qu'il doit y avoir une zone où il n'y a pas les noyés qui spawnent. Mais vous voyez ce que je veux dire? Imaginez par exemple, j'arrive ici en bateau, je me mets là, j'ai peur qu'il y ait des noyés qui spawnent là et qui du coup me voient quand je descends sur le temple. Donc peut-être qu'il faudra qu'on s'arrête en bateau juste au-dessus avant de prendre la potion d'invisibilité. Parce qu'au moins ici, on sait qu'il n'y aura pas de noyés, ça sera déjà ça. Et à ce moment-là, on pourra repartir en remontant en bateau, remettant l'armure, et on décollera à partir du bateau en Elytra. Mais donc, le but du jeu, c'est ça. Péter les deux couloirs, péter le haut, là, aller buter les trois boss, et à partir de là, boire du lait. Et quand on a bu du lait, ensuite, on reprend des potions, notamment invisibilité et notamment respiration. Et là, bah, on parcourt tous les murs, toutes les salles, pour essayer de trouver les éponges. Et donc, je commence à comprendre un petit peu comment sont faites les salles et l'articulation entre les salles et où sont éventuellement les éponges. Donc là, par exemple, ici, on est un peu trop haut. Donc un peu trop haut, il y a quand même des éponges. Vous voyez, par exemple, celle-là, elle est juste à côté de l'extérieur. Il y a bien des éponges ici. Ça, ça va. Mais par contre, en gros, c'est ici, plutôt à la hauteur de l'or, là, qu'il y en a pas mal aussi. Il y a pas mal de... Regardez, si je monte comme ça, c'est là où on va trouver ben, notamment ces deux-là. Donc comme quoi, il va falloir faire un peu tout le tour pour avoir toutes les salles comme ça, pour avoir une petite idée de comment ça marche. Et donc, ben, tant qu'on est à l'intérieur et qu'on a des potions d'invisibilité, ça va. Par contre, j'ai testé pour vous. Si jamais la potion d'invisibilité arrive à sa fin, on a trois coups de gardien avant de canner. Parce qu'on a, on a plus l'armure, on n'a rien. Hein. Donc c'est vraiment dangereux, il faut être sûr d'avoir suffisamment de potions d'invisibilité. Et puis ben, ensuite, il faut arriver à récupérer toutes les éponges, sortir et s'en aller sans se faire avoir par un noyer éventuel. Donc sans doute, j'essaye de réfléchir, le mieux c'est d'arrêter le bateau. C'est-à-dire soit avec les ailes, soit avec le bateau, mais il faudrait sans doute un bateau, parce que sinon je vais me faire toucher par les gardiennes, encore une fois. Il faudrait arriver peut-être en bataille, et à ce moment-là arrêter le bateau ici, et peut-être avoir déjà pris la potion d'invisibilité. Enfin, en vrai, je réfléchis, les amours. Si j'ai beaucoup de potions d'invisibilité, j'ai tout intérêt à en prendre avant d'aller sur la zone, parce qu'au moins comme ça, je déclenche pas le spawn de gardien et il ne me voit pas du tout même quand j'arrive. Et à ce moment-là, si on met pas 10 minutes à se rendre sur la zone, je suis toujours invisible quand j'arrive et je peux même venir en Elytra à ce moment-là. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, ça me paraît être la meilleure stratégie. À ce moment-là, si j'ai beaucoup, beaucoup de potions d'invisibilité, j'en prends une avant de partir, je ne mets pas 8 minutes pour me rendre. Au pire, j'en reprends une juste avant d'approcher complètement du temple. Comme ça, je débarque ici directement. Et en débarquant ici directement, je suis à poil, je suis invisible. Et donc, je peux tout faire sauter comme j'ai envie. Et une fois que les trois gardiens ont sauté, je peux m'enfermer, reprendre des potions et puis démarrer le pillage. Je ne sais pas ce que vous en dites. On va tester ça. Qu'est-ce que vous en dites, les amours? On va voir combien de temps ça me prend pour me rendre en Elytra quelque part. Alors, je vais avoir besoin de vous, les gens. On va faire un TP pour aller à un autre endroit et pouvoir avoir à nouveau un temple. Et donc, du coup, il faut me donner des chiffres, s'il vous plaît, à 5 chiffres. Donnez-moi des chiffres du genre 12 000 quelque chose, 24 000 ou je sais pas, 38 000, ce que vous voulez. Mais donnez-moi des chiffres et puis comme ça, on va se TP à cet endroit-là. 26 548, ça marche. Alors, 26 000, non, ça c'est 29 000. Non, 26 548, je vois rien du tout dans le noir.
125 de haut pour être sûr. Et alors un autre chiffre, mes amours, est-ce que vous avez ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est là disponible qui peut me donner un chiffre? Ça marche. 11111, normalement, c'est bon. Et donc, on va se retrouver TP. On va s'organiser pour faire un petit contenu d'inventaire comme il faut. Alors ça, le casque, c'est une chose. Ça, c'est toutes les éponges. Vous voyez tous les essais que j'ai fait. J'ai récupéré plein d'éponges. On va dégager. Ah bah oui, mais là, je suis en mode... voilà, là, maintenant, ça va aller mieux. Hop. Alors, on va déjà dégager les bouteilles vides. On en a pas mal. Ensuite, ça, c'est une potion of strength. C'est important, effectivement, de prendre une potion de force parce que, apparemment, ça aide quand même à tuer les gardiens plus vite. Et dans ce cas précis, gagner du temps est intéressant pour l'invisibilité, évidemment. C'est ça qui va être intéressant. Alors, on va dégager ça. Ça, on garde au cas où on ait besoin de se servir de l'arc. Arc que je ne trouve plus. Bah, si ça se trouve, j'ai dû l'effacer en cliquant molette sur quelque chose. Les blocs d'or, en vrai, on n'en a pas besoin. Le sable, par contre, on va en avoir besoin. Ça, ici, on le met là. La houe, très bien pour récupérer les blocs d'éponge, hein, d'ailleurs. Il faudra que je pense à prendre ma houe. Les portes, bah, la porte, ça va être nécessaire parce qu'en gros, le bois et la porte, c'est quand je vais avoir réussi à tuer les trois gardiens, et bien du coup, je vais mettre une porte et du bois autour. Donc là, du coup, je suis enfermée dans un bloc d'air. Et c'est là où je vais pouvoir boire le seau de lait. Du coup, ça va être hyper intéressant de pouvoir boire le seau de lait en étant complètement enfermé. Et c'est là où je vais reprendre une potion d'invisibilité, une potion de respiration. Et c'est là où on va pouvoir visiter tout le temple en étant à poil, mais sans se faire dézinguer la gueule, si vous me passez l'expression. Alors, invisibilité, on va prendre la potion d'invisibilité. Et on va en prendre quelques-unes parce qu'en vrai, on en a besoin de beaucoup. Puisque quoi qu'il arrive, on en a besoin d'une avant de commencer. On en a besoin peut-être d'une en arrivant. Et on en a encore besoin d'une ou deux pour explorer un temple. Donc on peut imaginer que si on en a quatre, c'est pas trop. Sachant qu'il faut surveiller absolument le temps de fonctionnement de la potion, parce que si jamais la potion s'arrête, on est mort en quelques secondes. On est repéré immédiatement, et comme on n'a pas d'armure, on est target par trois gardiens en même temps, et on est mort immédiatement. Et certes, j'aurai un totem dans la main, mais je pourrais strictement rien faire, j'aurai pas le temps de boire une potion ou quoi que ce soit. Alors, potion d'invisibilité, ça c'est fait, et donc maintenant, c'est la potion de respiration. Non, ça c'est résistance. Non, c'est water breathing. Water breathing 8. Voilà, très bien. Et donc ça c'est invisibilité force. Et donc water breathing, et ben j'ai plus la place. Zut. Donc c'est celle-là en fait. Il va falloir, ou alors il va falloir qu'on les prenne au début. Parce que c'est vrai que ça serait pas mal de les prendre au début et de chercher après l'endroit où est le temple. Parce que le problème, c'est le temps qu'on va mettre à trouver le temple, en fait. Je pense qu'il faut que je les ai pour le moment où je pense avoir le temple en vue, mais que je ne les prenne pas tout de suite. Parce qu'une fois que je sais que j'ai le temple en vue, je peux dévier de 100 blocs, prendre les potions et revenir, quelque chose comme ça. De toute façon, l'idée, c'est que si j'ai la potion d'invisibilité, normalement, il n'y a pas de souci vis-à-vis des guardianes, puisqu'ils ne me voient pas, hein, même s'il y en a beaucoup, normalement, ils ne me voient pas. On va tester ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'oublie? Normalement, il faudrait peut-être un bateau pour se barrer. Ça, on va dégager ça pour le moment, parce qu'on n'en a pas besoin. L'XP, c'était pour réparer mes affaires, mais... Ouais, ben on verra. Pour l'instant, l'armure, je la mets pas. Donc, au pire, on en reprendra. On est en créatif. Ça, on va le dégager. Voilà. Alors, on va faire le code ici pour avoir la carte, l'endroit où il y a un monument. Est-ce que c'est loin d'ici? 26 544. Et là, c'est 26 832. Et de l'autre côté, c'est 11 600 quelque chose. Donc, c'est 300 et 800 blocs.
Et je sais toujours pas me diriger. Donc effectivement, on va pas prendre les, on va pas prendre les potions. On va pas prendre les potions comme ça. Alors si je devais me diriger, comment je sais? Là, parce que vous voyez, moi, mon problème, c'est que je vois 26 832, ok, mais je sais jamais dans quelle direction aller par rapport au premier, chiffre. Donc à chaque fois, ça nécessite. Alors par exemple ici, 26 832. Bon bah là, ça augmente. Donc là, il faudrait que j'aille en Elytra jusqu'à 832. Alors ici, ça rame, donc on va y aller en mode spectateur pour l'instant. Là, ça bouge plus. Là, ça réduit. Vous voyez, déjà, j'ai dévié juste parce que je regardais le chiffre et pas là où j'allais. Voilà, là, on est censé y être à peu près. Est-ce qu'on le voit, le temple de la mer d'ici? Alors, le truc, c'est que là, quand on fait ça, normalement, je ne le verrai pas parce que je ne peux pas rester en vol stationnaire. On élitera aussi. Et coucou, Cédric! Comment vas-tu? Tiens, est-ce que ce serait pas ça? Si! Regardez, du coup, on le voit. C'est ça qui est pas mal. En avançant sur un des chiffres, là, on peut le voir. Donc, du coup, je ne sais pas trop comment faire. Alors, si je me mets en élytra, par exemple, je ne sais pas si je suis vue si je mets les élytres. Parce qu'à ce moment-là, ce qu'il faudrait, c'est un bateau. Je sais pas du tout dans quel ordre faire les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Là, si je prends un boat. Le problème, c'est que du coup. Comment? En fait, c'est ça mon souci avec ce test. C'est que si je suis en élytre, est-ce que à ce moment-là, est-ce que je me mets en danger? Vous voyez ce que je veux dire? Admettons que je me rhabille. Parce qu'il est hors de question que je sois au-dessus de l'océan et en plus la nuit sans être rhabillé. Comment ça va, Cédric? Qu'est-ce que tu racontes de beau du coup? Donc admettons ici, je vais me remettre en mode, je vais me mettre en mode survie. Hop, je vais tomber. Et donc là, par exemple, ce qu'il faudrait que je fasse en voyant que j'ai le temple ici, c'est que je boive l'invisibilité. Comme ça, elle est faite. Là. Voilà. Là, je suis dans le bateau et normalement, je suis assez loin pour qu'il me voit pas. Si il me voit, alors admettons que j'enlève ça tout de suite. Wow, et ben ils m'ont déjà buté. Regardez ça. Ça veut dire que je peux pas. Toujours en vie, Cédric. C'est une très bonne chose, effectivement. C'est une manière de faire. Est-ce que vous avez vu que je me suis fait buter en 30 secondes? Quand je vous dis que ça n'a pas l'air d'une promenade de santé, en fait. Hein. Donc, du coup, on va se reprendre la téléportation où on était. C'était celle-là. Et. Ok. Donc du coup, j'allais dire, on va se remettre en créatif, puis on va se reprendre la téléportation où on était. Ça a déjà allé mieux, hein, n'est-ce pas? Quand je l'ai fait, je me suis dit, ah oui, non, non, effectivement. Bon, du coup, c'était par où? C'était quelque part par là, hein, il me semble que c'était ça. Mais donc, est-ce que vous avez vu le problème? Le souci que j'ai, c'est qu'en gros, si jamais j'ai l'armure en partant, ils me voient directement. Et une fois qu'ils m'ont vu, ils ne me lâchent pas. Donc là, ici, déjà, on va virer la glass bottle. On va reprendre. Bah d'ailleurs, c'était peut-être la water breathing et pas l'invisibility que j'avais pris. Je ne sais pas trop. Mais tant qu'on prenne ça, voilà. Et je vais quand même mettre sur moi les élytres. Parce que je crois que les élytres, on peut. Et puis ça, on va reprendre ça. Hop là. Donc ici, admettons. Est-ce que je l'ai pas passé? Est-ce que c'était pas ça? Non, ça, c'est des petites maisons en fait. Là, je suis à 27 000, donc c'est trop.
Et vous voyez, mon problème, ça va être ça. Ça va être de trouver exactement le truc en question en sachant diriger. Et là, vous comprenez pourquoi je ne le fais pas tout de suite? Parce que je m'aperçois que je suis absolument pas au point sur ces questions-là. Et donc, comme je suis pas au point, en gros, je vais à la mort. Tiens, je crois qu'il est là, le temple. Vu le nombre de gardiens, je pense qu'il est là. Donc, admettons, si j'ai toujours les élytras, je bois. Ceci, c'est l'invisibilité. Je bois la potion de force et je bois le water breathing. Et je l'ai vu ici, le truc, il est où? Il est là. La ligne de lumière, elle est là. Donc normalement, on devrait pouvoir, avec juste les élytras, est-ce qu'il me voit déjà? Là, j'ai l'impression qu'il ne me voit pas. Par contre, j'ai beaucoup de mal à avancer dans l'eau parce que j'ai pas Deathstrider. Vous voyez, par exemple, ça c'est une chose à laquelle j'avais pas pensé. Quand on est à poil, bah, j'ai pas Aqua Affinity, j'ai pas Deathstrider. Donc ça veut dire que je vais beaucoup, beaucoup plus lentement. Et ça veut dire aussi, pourquoi je ne peux pas poser de TNT? Qu'est-ce qui se passe? Attendez, est-ce que je suis en mode aventure? Bah non. Eh ben, j'étais en mode créative aussi, donc déjà ça c'est pas malin. Et j'aurais pas dû faire ça. Là, voyez, pas de dégâts. Voilà, voyez déjà moi, ça m'a fait du dégât, donc c'est complètement con. Voilà, c'est ça et ça. Voilà. Et donc là, comme je suis très lente, je vais de l'autre côté pendant que ça pète. Et vous avez vu combien c'est lent. Alors regardez le monstre, il est discret. Hein. Il passe à travers les murs, il est là. Et donc bah, le problème, alors apparemment ça a l'air de bien marcher quand on est à poil. On n'est pas détecté du tout. Et là avec les élytras, j'ai pas l'air détecté non plus. Donc c'est pas plus mal. Alors lui, il est là. Et vous voyez qu'il ne se défend pas, c'est ça qui est fou, quoi. Contrairement aux noyés, les noyés, eux, ils se défendent tout de suite, hein, dès qu'on est... Alors là, regardez, on en est où? On en est à 5 minutes sur les potions. Comment ça se fait que je peux nager mieux tout d'un coup? C'est bizarre. Regardez, c'est bizarre, mais je suis quand même plus rapide que tout à l'heure. Alors là, on va essayer d'aller buter celui-là. Normalement, il est là. Coucou. Bon, pour le coup, vous avez vu, c'est une promenade de santé, hein, celui-là, il n'y a pas de souci. Au cas où, je prends ces éponges, parce que si jamais j'arrive à buter les trois gardiennes, j'ai quand même normalement trois éponges. Est-ce que je les ai, les éponges? Oui, 60. Donc, je pense que les deux-là, je les ai eues. Et alors là, maintenant... Il manque que celui-là. Et donc regardez, à l'instant où la TNT devient plus solide, le sable passe à travers. Et donc à partir de là, hop. Là c'est bon, là c'est bon. Et ben écoutez, ça a l'air là ça a l'air pas mal. Et donc vous voyez que là, ben, il me reste quand même 4 minutes. Regarde les effets. Qu'est-ce qu'ils avaient les effets? J'avais le Dolphin Grace, c'est ça? Ça m'étonnerait pas du coup que j'ai eu le Dolphin Grace. Alors regardez, ici j'ai réussi, j'ai les 3 gardiens. J'ai bien eu, j'avais 58 éponges, hein, donc du coup j'ai bien eu les 3 éponges. Ce qui veut dire que même si on ne tombe pas sur un endroit où il y a une salle des éponges, eh ben, ça veut dire qu'on va pouvoir éventuellement, avoir de quoi vider le temple. Parce qu'avec 3 éponges, il va falloir les changer souvent, mais en tout cas c'est possible. Alors ici, normalement on n'a plus besoin du sable et de la TNT, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une porte... Comme ça, et ensuite on va mettre du bois tout autour. Toc, et donc là on est tranquille, et donc c'est là qu'on va pouvoir boire le seau de lait. A priori, ça a l'air pas mal, hein, au niveau du fonctionnement jusque-là. Et coucou Night Seb, comment ça va? Bienvenue à toi.
Regardez, là, j'ai plus d'effet du tout. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux, justement. Alors, le problème, c'est que j'en ai plus. J'ai une potion d'invisibilité, mais je crois que j'ai plus de potion de. Ouais, j'ai plus de water breathing. Je vais en reprendre un peu en. Je vais en reprendre un peu en créatif, puisque là, on est en test. Mais par exemple, si jamais je l'avais pas fait, là, en survie, ben, je serais dans la merde, hein, sans le water breathing quand même. Donc là, ici, water breathing, on va se prendre ça. Et on va s'en prendre une autre. Au cas où on en ait besoin. Et invisibility aussi. Il en faut vraiment beaucoup, en gros. Et il faut faire hyper gaffe combien de temps elles vont fonctionner. Parce que là, invisibility, heureusement, on vient de la reprendre. Water breathing, c'est fait. Alors du coup, ici, on va pouvoir prendre ça. Voilà. Mais non, je suis toujours en... Voilà. Et donc là, maintenant, on est parti pour un petit moment. Comment ça va, Nightsev? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Alors ici, ben, par exemple, on va tester là. Il faut être sûr d'être bien par terre parce que sinon, ça prend 4 mois. Et on va essayer de traverser comme ça les salles. Et alors, j'avais normalement une technique. Ouais, c'est là, ici. L'idée, c'est qu'il faut aller d'un côté pour trouver toutes ces salles-là. Parce que là, tout ça, c'est des plafonds de salles. Donc, l'intérêt, c'est que, bah, notamment ici, c'est déjà ouvert. Ça vous laisse une petite idée de savoir s'il y a des éponges. Mais après, l'idée, c'est qu'on traverse toutes ces salles-là en n'ouvrant qu'un seul bloc. On ouvre le bloc qui est par terre. Et regardez sur quoi on tombe. Directement, on tombe sur les éponges, donc vous voyez que c'est quand même super intéressant. Et voilà, Yaki, ça a renouvelé son abonnement niveau 1 pour 21 mois. Et cumule 31 mois d'abonnement. Des gros bisous, Yaouski. J'espère que tu vas bien. Merci beaucoup pour ton resub. C'est absolument adorable. Il faudra que je te joigne en MP. On va pas faire ça maintenant. Mais tu as droit à 16 couleurs pour tous tes achats de subs de la dernière fois. Donc, je te demande de réfléchir pour l'instant à tes 16 couleurs. Et je repasserai te voir sans doute en MP. Pour qu'on puisse se mettre d'accord sur les couleurs que tu vas avoir sur la bulle du love. Alors dis donc, elle va avancer un sacré coup avec tout ce que tu as acheté. Hein. Ça va être assez incroyable. Du coup, vous avez vu comment on a trouvé cette salle. C'est ça qui est génial en fait, c'est qu'on n'a pas besoin, avec ce couloir-là, on a tous les toits des salles. Et donc, on peut voir très très vite s'il y a quelque chose ou pas dans toutes ces salles-là. Et apparemment, ça a l'air de fonctionner avec juste les élytras et un totem dans la main. Là, ici, par exemple, on va pouvoir récupérer les blocs d'or. Ça va très bien. Ouais, faut que j'y pense. Bah, du coup, tu vois, tu as un peu le temps. Hein. Je te demanderai en MP. Et en gros, c'est les couleurs de terracotta clair. C'est-à-dire, évidemment, pas le noir, le marron, le gris, le cyan. Tu vois, toutes celles-là sont trop foncées. Et puis, sinon, c'est le bloc d'os. Et ou alors le cuivre ciré qui va rester rose. Ou le cuivre pas ciré qui va devenir cyan. Hop, voilà, regardez-moi ça. Jusque-là, tout va bien. Au niveau des potions, on est à 5 minutes. Il faut vérifier régulièrement hein, où est-ce qu'on en est. Et donc là, on était arrivé par là. Donc, on va remonter là-haut. Et vous voyez que du coup, c'est ça que j'aime bien. C'est qu'on peut vraiment tout vérifier. Et ici, on va pouvoir re-rentrer par là. Et c'est vrai qu'apparemment, les guardians, même quand ils nous frôlent, ils ne nous sentent pas. Si ça pouvait être aussi simple avec le Warden, mais non, ce salopio est tout en oreille. Mais oui, je suis d'accord. Alors là, ici, je crois que c'est... Est-ce que c'est à cette hauteur-là qu'on a fait des essais? En tout cas, on a quand même 8 minutes pour chercher, et puis même un peu plus si on a encore 2 potions. Apparemment, c'est vrai qu'avec la potion d'invisibilité, c'est tranquille. Hein, on ne peut pas dire le contraire. Tiens, bah là, c'est là où il y a l'or, donc on est revenu ici. On va essayer de chercher un peu pour voir s'il y a des salles d'éponge. Et on va essayer de voir si on a été exhaustif. Ah bah là, on sort dehors, donc non. Est-ce que vous pensez que je suis prête pour le temple? Moi, je me dis, j'ai fait encore des erreurs. Là, par exemple, on a craqué un totem. Eh, allez, encore une salle d'éponge, les gens.
Tu fais quoi de beau? Eh bien, je suis en train d'essayer de perfectionner la technique d'attaque des temples pour que ce soit automatique et que je risque pas ma vie pour aller chercher des éponges la fois d'après vraiment dans le hardcore. Et alors au début, on avait déjà fait un live de test comme ça. Et ça semblait facile, mais en fait, j'avais oublié plein de trucs. J'avais oublié notamment que quand on a l'armure, on nage déjà beaucoup plus vite que quand on l'a pas, parce qu'on a le Death Strider et le Aqua Affinity. J'avais oublié qu'on se fait détecter pas du tout de la même façon aussi quand on a l'armure. J'avais oublié quoi? Je sais plus encore ce que j'avais oublié, que j'avais dit la dernière fois. Ah oui, que j'arrivais sans doute en Elytra et que du coup j'avais pas le plastron de l'armure au niveau défense. Et que du coup ça n'avait strictement rien à voir quand on n'a pas le plastron. C'est complètement différent la façon dont on prend les dégâts. Tu vois, donc là en gros je suis en train de perfectionner ma technique et j'essaye de percer un petit peu partout. Wow, j'aime pas être dehors comme ça parce que j'ai l'impression que dehors il peut y avoir des noyés. Et là on essaye de faire ce temple et en gros on va essayer d'en faire deux ou trois pour être sûr de la technique. Et notamment là par exemple il faut sans doute que j'arrive en Elytra déjà à poil parce que c'est le seul moyen, sinon quand j'arrive en Elytra pas à poil, le problème, c'est que je me fais décalquer par les gardiens en 30 secondes. On l'a vu, hein, je suis littéralement morte. Alors, là, on a quoi? Et vous voyez, même quand je les touche, les gardiens, hein, les élytras, apparemment, ça compte pas comme une pièce d'armure. Parce que là, je les ai toujours sur moi. Par contre, elles sont bien usées. Faudra que je fasse attention à mon niveau d'usure des élytras. Avant, non, ok. Ah là, tiens, là, on peut descendre. On peut essayer de faire des chambres à cette hauteur-là, du coup. Parce qu'il y en a d'autres. Et au début, je pensais pas qu'il y aurait des éponges dedans. Je croyais que c'était que dans les chambres hautes. Mais en pratique, ça n'est pas que dans les chambres hautes. Je me demande, pour ceux qui savent, peut-être éventuellement Nightseb ou Christo, ou Random hein, d'ailleurs, est-ce que vous savez s'il y a des potions de haste pour miner plus vite? Ou si c'est que un effet de beacon? Intéressant, j'avais encore jamais envisagé la potion d'invisibilité. En général, j'y vais à la bourrin full armure avec deux stacks de portes et quelques pommes dorées. Bah écoute, l'invisibilité, apparemment, c'est vraiment très très bien. Et moi, ce que je fais, c'est que je rentre avec des TNT aussi. Tu n'as pas d'indication d'armure au-dessus de tes cœurs, en tout cas. Oui, c'est vrai, tu as raison, Random. Qu'est-ce que je demandais à l'instant, d'ailleurs? C'était, oui, s'il y avait une potion de haste, si vous savez ça, mes amours. Et c'est vrai qu'effectivement, j'ai pas d'indication d'armure, donc comme quoi les élytras, ça compte pas. Mais c'est une bonne chose parce que ça va me permettre de m'en aller assez rapidement. Et là, déjà, on a trouvé pas mal d'éponges sur celle-là, donc ça veut dire qu'on a carrément moyen d'en trouver. On en est où? Oh là, les gens, on n'est plus invisibles. Regardez, vous avez vu le rayon 4 cœurs. Heureusement que je l'ai vu. Hein. Potion de haste, ça me dit rien. Bah ouais, moi non plus, c'est bien dommage. Est-ce que vous avez vu du coup que j'ai pris 4 cœurs juste parce que j'ai dit oh là là, je suis plus invisible. Et du coup, il faut que je vérifie absolument les petits pictos en haut là parce que ça va très très vite. Hein. Vous vous faites toucher par deux guardians et sayonara. Hein. Et si jamais vous avez un totem, c'est vrai que ça craque le totem. Et quand vous êtes avec le totem, si vous perdez 4 cœurs, en gros, vous perdez la vie parce qu'il vous remet 4 cœurs en haut qui s'en vont très très vite. Et là, vous avez toujours pas régène et salut. Hein. Wow, pourquoi? Water breathing. Eh, ça va, oui. Vous allez vous calmer les potions tout de suite. D'où l'avantage de l'armure. Oui, mais regarde, là, je suis complètement à poil, Nineseb. Et avec la potion d'invincibilité, j'ai pas besoin d'avoir l'armure. Parce que l'armure, tu perds quand même de la vie. Alors que là, ben, tu te balades, il n'y a absolument personne qui te voit, regarde. Je peux aller le bully, à taper dessus, à monter dessus. Allez. Et ben, tu vois qu'il ne me voit pas, il ne me tire pas dessus. Alors que je suis complètement à poil. Donc c'est vrai que là-dessus, je dois reconnaître à Fluid Silhouette, on lui dira si elle repasse tout à l'heure, que franchement, c'est une excellente technique parce que c'est vrai. Ce qui me faisait peur, c'était de croiser un noyé parce que le problème des noyés,
C'est que du coup, eux, par contre, dès que vous mettez un pied dans l'eau, ils vous voient, hein, invisibilité ou pas. Et donc, du coup, j'avais peur de ça, mais apparemment, il n'y a pas de noyés qui spawnent dans les temples, il n'y a vraiment que des guardians. Donc, du coup, c'est génial. Et là, ben, on a quelques temps à nouveau grâce aux potions, mais par contre, vraiment, faut pas se retrouver sans potions, hein. Je me rappelle encore de mon premier temple. Avec une simple armure en cuir, je n'ai pas atteint le temple. Ah bah j'ai essayé tout à l'heure de prendre la potion d'invisibilité un peu plus tard et c'était finito, hein. Effectivement, tu m'étonnes. Tu n'atteins pas du tout le temple. Alors là, est-ce que vous pensez, vous, à vue de nez comme ça, qu'on a trouvé toutes les salles d'éponge? Est-ce que vous avez l'impression qu'on a fait entièrement le tour? Racontez-moi dans le chat. Moi, j'ai l'impression qu'on a fait le tour, puisque là, c'est la salle de l'or. On va aller voir de l'autre côté. Et vous voyez qu'on peut cogner les gardiens ou quoi, mais ils ne nous voient pas, quoi. Ça, normalement, c'est toujours la même salle. Ouais, c'est l'extérieur avec les piliers. Non, même pas. Moi, j'ai l'impression qu'on a tout vu, mais le problème, c'est qu'en vrai, si ça se trouve, on n'a pas tout vu. Voyez que ça, par exemple, on ne l'avait pas visité. Il aurait pu y avoir des éponges dedans. On va réessayer jusqu'à temps que ce soit bien fluide comme procédure. Je pense que partir à poil avec la potion d'invisibilité, c'est pas mal. Parce qu'en vrai, de toute façon, bah, on n'est pas détecté par tout ce qui pourrait nous détecter à l'extérieur. Notamment les fantômes, ils ne nous agresseront pas justement grâce à la potion. Eh, bah tiens. Bonjour vous, c'est quoi? C'est du sable ou c'est une éponge ça? Mais pourquoi? D'où tu m'as vu comme ça, toi? Pourquoi il me tire dessus? Eh mais j'ai plus l'invisibilité, ça fait pas 8 minutes. Les gens, ça, on est d'accord que ça fait pas 8 minutes pour l'invisibilité là. C'est une 3 que j'ai pris, je me suis bourré. Ben oui, j'étais plus invisible, mais on est d'accord que je l'ai rebu devant vous, la potion d'invisibilité, ça fait pas 8 minutes pourtant. Ça, je sais pas ce que c'est. C'est pas, c'est du sable ou c'est... Ah, c'est du sable. Merci, le petit tooltip en haut. Vous avez vu en haut à droite? Ici, c'est marqué TB, c'est Targeted Block Sand. Du coup, ça me permet de savoir. Tu as pris des étoiles de potions, des petites potions, comment ça? Mais non. Non, non, c'était bien normalement. Tu vois, invisibilité 8 minutes. Hein. Et la water breathing, elle était bien 8 minutes aussi. Je t'assure que j'ai pas pris des petites potions, Nightseb, justement. Parce que je les ai multipliées avec la molette. Bon, alors on va dire que normalement on a tout fait. Question, est-ce qu'il y a une salle d'éponge? On va se mettre en spectateur. Non, ça c'était créatif. Hop, voilà. On va se mettre en spectateur et on va regarder. Est-ce qu'il y a une salle d'éponge qu'on n'aurait pas vue? Mais normalement, je pense que s'il y en avait, on les aurait vues parce qu'on est passé à peu près partout. Ce qu'il faudrait que j'aie, c'est peut-être des blocs, mais après, ça fait perdre du temps pour marquer les salles que j'ai déjà faites. Pour être sûr. Vous voyez ce que je veux dire? Pour éviter de retourner en rond et de juste pas voir. Là, j'en vois pas d'autres, hein, comme ça. On tourne à peu près tout à ce moment-là et. On n'en voit pas plus que ça. Lisma vous a follow. Coucou à toi, Lisma. Comment ça va? N'hésite pas à t'installer parmi nous. Merci beaucoup pour ton follow. Mais je suis certaine que j'ai pas pris de petites potions, ça, Netseb. C'est justement ça qui m'étonne. Bon, bah écoutez, apparemment, on avait raison. Donc, on a fait tout le tour. Celle-là, il n'y avait qu'une seule salle d'éponge. Mais en vrai, une salle d'éponge, je m'en contenterais. Hein. Et alors, par contre, ce qu'il faut que je vois, c'est est-ce que je peux redémarrer en Elytra? Alors, admettons. Je me remets en survie, ok? J'ai toujours l'invisibilité, etc. Imaginons que je veux redémarrer en Elytra. Et ben, dans l'idéal, il faudrait que je mette le bois ici. Je suis toujours invisible, au pire, et je suis toujours à poil. Et là, l'intérêt, c'est que je me mets comme ça. Là, et là. Et là, je décolle! Et salut! Et j'ai plus qu'à retrouver l'endroit d'où je venais, et voilà. Donc apparemment, c'est une bonne méthode pour les temples, les gens. Alors maintenant qu'on a compris ça, on va essayer de le refaire pour voir si on a tout saisi, si on est bien dans le bon ordre. Et du coup, je vais avoir besoin de chiffres, les gens.
pour se TP pour aller chercher un nouveau temple. Alors du coup, je vous écoute, donnez-moi des chiffres. On va dire à 4 chiffres cette fois-ci. Donnez-moi vos chiffres préférés. Ça marche. 8647. 125, voilà, parce que quand on se met à 125, il y a peu de chances qu'on soit dans quelque chose. 4858. Merci beaucoup pour vos chiffres, les amours. Alors, où est-ce qu'on tombe? Ouh, dans un joli haut. Wow! De quoi? Là, c'est à 125 de haut? Mais pas du tout. Ah non, c'est parce que j'ai chuté. C'est parce que le temps que tout se matérialise, j'ai dû chuter au fond de l'océan, du coup. Bon, alors, on s'occupe de l'inventaire, parce que ça, évidemment, ça va prendre un certain temps. On va dégager les éponges qu'on a déjà eues, on va dégager les blocs d'or, comme ça, ça nous permettra de savoir exactement combien. Et dites donc, les gens, vous vous rendez compte que j'étais à 58 avant qu'on fasse ce test. Donc, ça veut dire qu'on avait eu quasiment un stack d'éponges. C'était pas mal, en vrai. Plutôt une bonne chose. Les élytres, il faudrait absolument ou les réparer, mais non, on va juste en prendre des neuves. Voilà, comme on est en créa, on s'en fout, c'est pour tester. Hein. Alors, on a dit potion de water breathing. Là, on est d'accord que c'est une 8 minutes. On est d'accord que j'en ai pas d'autres. Et donc, celle que je multiplie, ça sera des 8 minutes. En toute logique, regardez, c'est des 8 minutes tout ça. Alors ensuite, il faut les potions d'invisibilité. Là, et donc c'est pareil, on va la multiplier, on va reprendre deux autres. Et il nous faut aussi, on a dit, une potion de force. Potion de force, voilà. Et donc la potion de force, a priori, on n'en a besoin qu'une. On va éliminer les blocs de prismarine là. Ça, on va le mettre ici. Pour l'instant, on n'a pas besoin de la pioche ni du bois. Ça, on va le mettre là et ça, là. Tout ça, on n'en a pas besoin. Ça, la potion d'invisibilité, c'est une chose. C'est surtout le water breathing, peut-être. Non, j'allais dire de quoi on aura besoin en plus. Non, c'est surtout ça. En fait, il nous en faut une pour arriver. Une pour attaquer. Et peut-être deux, donc en fait, il faudrait en multiplier encore. Voilà, deux pour chercher dans le temple. Je pense que ça, du coup, c'est à peu près bien. Parce qu'en gros, il faudrait que je les prenne avant d'arriver. Mais ce dont j'ai peur, c'est pas trouver le temple tout de suite. Et du coup, de perdre beaucoup de temps sur ça. Mais dans l'idéal, il faut être à poil et il faut être avec les potions déjà efficaces quand on arrive, quoi. Et les plus importantes, c'est les potions d'invisibilité, clairement. Parce que si on n'est pas invisible et sans armure, là, on est finito complet. Donc là, admettons que ça soit bon. Alors, on va tester. Voilà, pour avoir l'endroit où c'est. Et on va essayer de s'y rendre en Elytra. Et à ce moment-là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je boive la potion d'invisibilité au moment où on arrive, où je vois le temple. Et ensuite, je bois la potion de water breathing et la potion de strength. Alors du coup, on a dit qu'il était où le temple? 8528 et 4848. Donc on est quasiment, si on fait avancer le premier chiffre, on est quasiment sur la bonne... au bon niveau sur le premier chiffre. Donc là, du coup, je me rends pas compte, mais c'est pas grave, on va se mettre tout de suite en élytre. 8848, c'est dans l'autre sens. Eh ben, je le vois, il est là, en fait. On était quasiment au-dessus. C'est une chance. Bon, alors, ce qu'on va faire... Voilà, déjà, on va remonter notre vie, parce que c'est une erreur, je suis partie sans la vie qu'il fallait. Ensuite, on a dit... On va se refaire une petite fusée. Donc là, on a dit qu'on prenait la potion d'invisibilité, la potion de water breathing, la potion de force. On se met sur la TNT.
Et on arrive directement ici. Et alors, par contre, ici, là, c'est impossible de bien nager. Là, ça prend 4 mois, mais au moins, je vois qu'il n'y a rien qui m'attaque. Parce que ça, c'est pas mal en vrai. Si on peut arriver en élytre et puis gérer comme ça. Là, je me dirige tout de suite de l'autre côté, puisque de toute manière, il faut que je m'éloigne. Donc, ça me permet de gagner du temps. Parce que l'éloignement, il me sert quand même à quelque chose. Alors, ici, là, là, là. Là, on va rentrer tout de suite, par contre. Wow, et par contre, ça m'a fait des dégâts. Alors, on descend. Mais pourquoi je peux pas... Alors, il est où? Est-ce qu'il est là? Non. Il doit être là-bas de l'autre côté. Il a dû sortir par là. Il n'est pas là. Il est là. Je sais pas ce qu'il fout là. Yes. Alors là, je fais le tour ici pour récupérer tout ce que je dois récupérer. Normalement, je dois récupérer au moins une éponge. J'ai une éponge. J'ai pas eu les armor trim, par contre. Peut-être ça. Je sais pas si c'est ça. Bon, par contre, j'ai dû aller chercher dans un couloir. Et coucou Toshik, bienvenue à toi. J'espère que ça va. Alors ici, là là là, on remonte et donc on a dit qu'on allait de l'autre côté, donc par là. My favorite new French word from past several days, pluie. Son mot favori depuis ces jours derniers, c'est le mot pluie. C'est pas toujours un mot favori en France, hein, Toshik. Ça sonne très drôle pour moi parce que plivok, c'est une split, une fente en ukrainien. Donc on dirait que le ciel se fend pour faire couler la pluie. Ah, c'est joli, c'est poétique, Toshik. Donc là, normalement, je suis avec les hitbox activés, ce qui me permet de voir s'il y a des drops que j'ai ratés, notamment ça là-haut, qui est peut-être bien le template, je ne sais pas trop. On en est où là? Regardez, 2 minutes 50 pour la manine fatigue. Potion de force, elle est en train de se finir. Donc je ne l'aurai pas pour celui du centre. Donc comme quoi, quand on va plus lentement, c'est mieux quand même d'avoir deux potions de force éventuellement. Ah non, pourquoi j'ai fait ça? Ah mais j'ai jeté le totem, mais super. Pourquoi? Il a échangé ce que j'avais dans les mains en fait. Voyez, c'est un petit peu plus long sans la potion de force, mais quand même pas si long que ça. On en est où? Invisibilité 4 minutes, water breathing 4 minutes, donc ça va franchement, c'est honnête. Et par contre, on n'a eu que deux éponges, ça veut dire que sans doute il y a une éponge qui s'est barrée, je ne sais pas où. Est-ce que c'est ça? Non, ça c'est ma potion, ça c'est des blocs. Là! Ah! Regardez ça, comme quoi, là c'est bon. Non, même pas, c'était pas ça. Elle est où l'éponge? Il m'a pas donné d'éponge, lui. Peut-être ici. Ouais, elle est ici. Donc comme quoi, ça vaut le coup de chercher les drops parce que les drops sont à peu près certains. Par contre, j'ai l'impression qu'on n'a pas eu les... Ouais, on n'a pas eu de template alors que des fois, ils donnaient des templates. Bon, et donc là, du coup, maintenant, on est tranquille, on a tué les trois boss. Mais on n'est pas si tranquille que ça. Donc, il faut que je descende d'un étage par rapport au centre, au moins. Et que là, du coup, je me fasse ce qu'on avait dit, c'est-à-dire... alors, je vais aller peut-être ici pour être sûr. Voilà, on va se mettre là. Une porte. Le bois. Il me reste 3 minutes quand même de water breathing, mais le problème, c'est que je pourrais pas du tout... Voilà, là, je pourrais pas du tout miner en fait, c'est ça le souci. Donc là, on est parti, on prend ça. Ensuite, on prend
Une nouvelle potion de water breathing. Une nouvelle potion d'invisibilité. Normalement, on n'a plus besoin du bois, on n'a plus besoin de la TNT. Par contre, on a besoin de la pioche et de la houe. Ça, ça dégage ici. On remet une potion de water breathing et une potion d'invisibilité au bon endroit pour surtout en avoir dans l'inventaire, que dès qu'on voit disparaître les deux petits marqueurs, là, qu'on puisse en reprendre tout de suite, dans la seconde. Jusque-là, ça se passe bien, cette méthode. Hein. Ça paraît pas mal. Je sais pas ce que vous en dites. Ça paraît plutôt fiable. Alors, ici, j'ai dit, quand on descend à cet endroit-là, en gros, eh ben, ce qu'il faut faire, c'est commencer à faire des couloirs pour essayer de trouver des endroits où il y a des éponges. Et donc, l'idée, c'est qu'en creusant ici, normalement, on va trouver cet endroit où il n'y a que des toits de salle. Donc, ce n'est pas ici, c'est de l'autre côté. C'est toujours d'un côté, en fait. Question, est-ce que c'est là non plus? Alors attendez, comment est-ce que... Peut-être que c'est là. Oui, c'était là. Regardez, c'est là. Et donc là, je trouve ça pas mal parce que donc les toits de salle comme ça, on sait directement s'il y a quelque chose en dessous. Voilà, on peut jeter un coup d'œil rapidement et surtout, on ne perce qu'un seul bloc. Et quand vous voyez le temps que ça prend de percer un bloc, ben, sur un nombre de recherches comme ça, ça fait beaucoup de secondes de gagner. Je pense qu'on doit gagner 30 secondes sur une potion de 8 minutes, ce qui est quand même pas rien. Là, on voit pas d'éponge non plus. Jusque-là, ça a l'air plutôt d'un bon plan, quoi. Alors, il faut que je fasse... Là, ça doit être là où il y a l'or. Ouais, non, non, si, c'est là. Il faut que je fasse attention aussi à manger. Et là, regardez, c'est bon, water breathing, invincibilité, ça va. On va pouvoir se mettre là. Ça ira plus vite. Le coup des TNT, je pense que c'est vraiment un très bon coup parce que ça permet d'éviter de se perdre et d'avoir besoin de vraiment trop de potions n'importe comment. Ça, c'est une glass bottle, donc ça, ça va. Bon, du coup, il reprend tout ce que j'ai déjà repris. Par contre, sans Death Strider, c'est dur. Compliqué. Hein. On pourrait essayer de remonter ici. Et du coup, vous voyez que ça prend 4 mois du fait que j'ai pas les pieds sur le sol. Ah bah non. Non, non, on va pas essayer de remonter ici. On va remonter là, du coup. Est-ce que c'était la dernière ouais, je crois. Et donc, c'est là où il faut percer là. Ça, j'ai un peu bossé. Vous voyez que j'ai un peu bossé mon trajet à l'intérieur du machin. Pour que ce soit plus... Que ce soit plus... Évident un peu pour moi où aller. Je me repère déjà un petit peu mieux dans l'architecture des temples. Yes, regardez ça. Et une salle d'éponge pour la dame. Alors, c'est sûr que, par exemple, comme j'ai des portes, techniquement, je pourrais choisir, par exemple, de mettre une porte là, d'y rentrer. Et du coup, comme j'y suis, je devrais pouvoir dégager toutes les éponges très très vite aussi. C'est un bon plan de prendre un gros paquet de portes, effectivement. Voilà, et puis là, elles flottent toutes. Et donc, je peux aller les récupérer sans aucun souci. Eh ben, ça fait déjà une salle d'éponge. Est-ce que vous pensez qu'il va y en avoir une autre? Et coucou, c'est Leyana, plein d'amour sur toi, ma chère. Comment vas-tu? Comment te portes-tu? Et comment vont tes petites amours? Donc voilà, l'idée c'est de se balader, c'est de percer tous les murs qu'on peut. Donc celle-là, on y venait, là on a trouvé les éponges. Ici, je pense que c'est le dehors, non, même pas. Ah oui, là c'est l'espèce de couloir, d'accord. Eh bien, il faudrait essayer de redescendre. Alors où est-ce que j'ai percé? C'est là. Là, c'est la salle où il y a l'or. Est-ce qu'ici, il y a quelque chose?
On en est où au niveau des potions? 3 minutes, ça va. Fatiguée, dure journée. Ah là là, courage à toi, ma chère. Des gros bisous. Des gros bisous. J'espère que tu vas pouvoir te poser un petit peu avec nous. Mais les petits bouts vont bien, merci. Et toi, comment vas-tu? Eh bien, écoute, c'est ce que je disais en arrivant. Tiens, mais c'est ça. J'avais dit de me rappeler, de vous parler de la clé de mon fils. Eh bien, écoutez, voilà, mon merveilleux fils à qui j'envoie plein d'amour. C'est mon fils de cœur. C'est pas mon fils biologique, mais dans mon cœur, il est mon fils. Et donc, il m'a fait un cadeau absolument merveilleux. Est-ce que vous vous souvenez que j'avais eu des problèmes de PC? Il y a pas mal de semaines, peut-être maintenant quelques mois, je me souviens plus, c'était peut-être à l'été. Et en gros, mon PC ne pouvait plus booter du tout. Et donc, mon fils était resté avec moi pas mal d'heures. On avait dit déjà qu'est-ce qu'il est bien et tout, pour m'aider à créer une clé de bootage et essayer de faire en sorte que ça marche. Et on avait d'ailleurs réussi. Mais on était resté sur le fait qu'il avait fallu que je demande la tablette de ma mère et la clé USB de ma mère pour... parce que les miennes sont pas récentes de clés, et puis pour créer une clé de démarrage, parce qu'il fallait un Windows pour ça en fait. Et donc moi je joins mon fils pour lui demander, tiens au fait je voudrais m'acheter une clé, est-ce que ces modèles là ça irait bien? Et là il me fait non, 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 tu t'achètes pas de clé, je vais pas te dire pourquoi. Booter les onglets hors de France, mais booter la panne hors du PC déjà. Tu vois, ça serait déjà bien. On en est où? Invisibilité, 1 minute 38. Vous savez quoi? J'ai envie de la reprendre, la potion d'invisibilité. Et donc, mon fils me dit, n'achète pas de clé, surtout pas. Voilà, je te dirai pas pourquoi tu es prié de ne pas acheter de clé. Bon, donc du coup, j'ai dit d'accord, je suis au courant de rien, mais j'achète pas de clé, d'accord. Et puis en fait, c'est parce que ce petit gars incroyable m'avait préparé quelque chose d'absolument formidable. Spoiler, ça m'a mis les larmes hein, pendant 10 minutes parce que vraiment, c'était incroyable. Et donc en fait, il se trouve qu'il m'avait préparé, alors déjà une clé USB, deux grandes marques à très forte capacité, très forte rapidité d'écriture. Donc genre en plus, il ne s'est pas foutu de moi. Il l'a choisi violette. Évidemment, donc déjà rien que ça, le clin d'œil, voilà, plein d'amour sur lui. Mais c'est pas fini, hein, les gens. C'est comme dans la pub, c'est quoi, c'est SFR, et c'est pas fini. Là, c'est pareil. Il m'a mis dessus, en fait, un logiciel spécial qui permet de faire des partitions sur une clé, comme si c'était plusieurs clés, et notamment d'avoir de quoi booter sur deux Linux différents et un Windows, et du coup, de façon à pouvoir vraiment réparer tout Windows qui me tombe entre les mains et démarrer comme je veux sur n'importe quelle machine, avec en plus un dossier avec des utilitaires, etc. Et derrière, je crois que j'ai 200 gigas ou 180 gigas sur la clé pour en plus faire tout ce que j'ai envie de faire avec la clé. Mais attendez, parce que c'est pas fini. Évidemment, ce serait n'importe qui, ça s'arrêterait là, mais là, c'est mon fils. Et du coup, ça s'arrête pas là. En plus de ça, il fallait bien un porte-clé pour cette clé. Et donc, bah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a imprimé en 3D nos avatars Discord. Lui, il a une espèce de A stylisé bleu. Et puis moi, j'ai mon K, en fait. En allant jusqu'à choisir les matières pour que ça reflète le type d'avatar qu'on avait, quoi. Il a imprimé ça en 3D et il a mis ça comme porte-clé sur la clé. Mais alors, ce qui m'a buté et qui m'a fait pleurer pendant 10 minutes et qui est pas loin de me refaire pleurer là quand je vous en parle, c'est que pour attacher le porte-clé et pour attacher ça à la clé, il a utilisé un cordon de satin violet qui en fait était un cordon d'un paquet cadeau que je lui ai fait mais il y a littéralement genre un an ou un an et demi. Donc en fait, il a conservé le cordon en satin du paquet cadeau et il l'a utilisé pour faire le cordon de ses porte-clés sur la clé qu'il m'offre. Et là, ben moi, quand j'ai vu ça, qu'en plus il avait conservé les trucs du paquet cadeau que je lui ai offert, ben voilà. C'était fini de Chrysalia pendant 10 minutes. Hein. Terminé, finito. Et puis là, Chrysalia. Elle est en larmes tellement elle est contente. Et voilà, j'avais trouvé ça vraiment infiniment chouette. Et vraiment. À la fois surprenant et c'était infiniment soigné parce qu'il faut savoir qu'en plus, rendez-vous compte qu'avec la clé,
Il m'a mis en plus une lettre avec toutes des captures d'écran imprimées de comment ça marche, tout le détail du logiciel qu'il a mis, le tout tiré impeccable à l'imprimante et tout. Et qui c'est qui s'en va victorieuse au soleil couchant? C'est maman! Regardez-moi ça. Donc là, si je regarde, eh bien, on a, regardez ça, 8 blocs d'or, on a 26 éponges, et puis ben, on est vivant surtout. Donc apparemment, ça serait une bonne manière de faire. Il faudra qu'on dise grand merci à Fluide Silhouette si elle arrive tout à l'heure, et puis sinon, on lui dira après. Bah, écoutez, ça me paraît pas mal. On s'en fait un petit pour voir au moins le début. On va peut-être pas refaire toute la recherche d'éponges, mais je pense qu'on va s'en faire un, les amours. Hop! On est en créatif, du coup c'est marrant parce qu'on est en créatif mais toujours en mode Elytra et plus maintenant. C'est rigolo. Et donc voilà l'histoire de mon fils. Je suis vraiment très très émue de son cadeau. Ça va être assez formidable parce que en plus la clé, figurez-vous que la clé qu'il a choisie, évidemment déjà c'est une clé très compacte et comme je disais très récente, très grand format, etc. Mais en plus elle me permet de la brancher avec un mini USB-C sur mon téléphone et sur le PC. C'est-à-dire c'est une clé à double entrée qui va me permettre de transférer des fichiers exactement comme je veux, d'écouter ma musique mieux sur mon téléphone en la transmettant comme j'ai envie, etc. C'est vraiment c'est un super outil. Et puis on pouvait pas rêver mieux comme porte-clés et comme cordon. Ça m'a touché vraiment qu'il ait gardé les éléments de packaging, vous n'avez pas idée. C'est un cordon riche de sens en fait. Je sais pas ce que vous en dites vous, mais moi je suis complètement soufflée par ça. Bon, ça va l'orage? Vous voyez, même le ciel de Minecraft, ça le fait pleurer. Est-ce que vous avez vu ça? Même le ciel de Minecraft en pleure, dites donc. Mais c'était vraiment beaucoup d'amour, tout ça. Et du coup, voilà, ça m'a touché en plein cœur. C'était vraiment. Il en a le coup de foudre, exactement. Exactement. Ah là là, bon. C'était le moment émouvant de la semaine dernière, en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui m'a apporté énormément d'émotions. Alors, du coup, eh ben, il va me falloir des numéros, les amours. On va essayer un dernier pour être sûr que ça marche bien, parce que je pense que l'idée d'avoir les trucs, en gros, arriver en Elytra, prendre les potions juste avant de tomber sur le monument, je pense que c'est la meilleure méthode. Oh, Extra 80, déjà ton abonnement de niveau 1. Mais je pense que c'est parce que tu avais, je me souviens bien, que tu avais pris 6 mois, effectivement. Et donc, du coup, mais attends, t'as pas repris 6 mois, là, Extra 80. Parce que là, ça me dit à renouveler son abonnement en niveau 1 pour 6 mois et cumule 16 mois d'abonnement. Mais là, tu viens pas de renouveler encore pour 6 mois, Extra, si? C'est pas possible, c'est juste que là, c'est juste un des mois que tu as déjà renouvelé pour 6 mois. Ou qu'est-ce que t'as mis? C'est pas clair la notif de Twitch. Mais en tout cas, bienvenue à toi. Merci beaucoup pour l'amour. Il a acquis ce très beau cœur. Ah ben c'est chez Edible. Très joli le cœur d'Edible. Mais du coup, tu vois, moi, samedi, a renouvelé son abonnement au niveau 1 pour 6 mois. Mais du coup, là, tu l'as pas renouvelé pour 6 mois. Si? C'est la folie. C'est limite, c'est pas raisonnable, Extra, merci beaucoup. Mais je pense que c'est pas ça. Je pense que c'est parce que c'est un des mois que tu as renouvelé la dernière fois pour 6 mois. Tu consommes les 6 mois que tu as déjà renouvelé, en fait. Je crois, j'espère. Mais en tout cas, merci énormément à toi pour le resub, c'est incroyable. La fidélité qui me touche beaucoup. Alors je disais, mais ça va la foudre, oui? Je ne sais pas. Ah bah comment ça, tu ne sais pas, tu sais bien ce que t'as payé, je pense. Quand même. Alors, qu'est-ce qu'on avait mis la dernière fois pour stepper? Attendez, hop, on va faire ça ici, là. On avait fait ça pour stepper. Et ben du coup, mettons qu'on va changer ici, on va mettre 150 ici. Et là, on va mettre 138. 135, allez, hop. Voilà, et donc on va stepper là. Normalement, on est suspendu, on n'est pas censé tomber. Oui, c'est bon. On arrive dans une forêt, ça d'accord. Alors avant de se chercher un truc de temple, on va se faire
Le petit ménage dans l'inventaire, c'est vrai que regardez, quand on prend la prismarine et les trucs qui éclatent et tout, on a beaucoup de choses dans l'inventaire quand même, hein. Ça ici, comment? Là, c'est la Purple Shulker Box. Là, ça, c'est tout ce que j'avais dans l'inventaire avant. Et donc, du coup, j'avais mis ça là pour que ça prenne moins de place. Donc, on a dit qu'il fallait toujours un totem. Le totem plutôt là, d'ailleurs. Ou là. Non, c'est ici. Voilà, ça va être plutôt comme ça. Alors, le totem, en général, c'est quatrième place. Et souvent, ici, je mets les torches. Là, il faut potion de water breathing. Et il va m'en falloir au moins 4. Ensuite, c'est potion d'invisibilité ici. Et il va m'en falloir au moins 4. Après, ce qu'il faut, c'est une potion de force. La potion de force, c'est pas la strength 2 qu'il faut que je prenne. C'est la strength tout court pour avoir les 8 minutes. Et alors ensuite, ici, il faut la TNT, le sable. Et le briquet, mais le problème c'est que du coup j'ai plus la place. Comment ça se fait? C'est bizarre. C'est peut-être à cause de la potion. Ça c'est pas normal. Comment j'ai fait mon compte? L'autre fois, pourtant j'avais le briquet qui était au bon endroit. Marquer le briquet, je peux toujours ouvrir l'inventaire après. Quand je suis en invisible, je peux toujours ouvrir l'inventaire après et prendre le briquet, c'est pas un souci. Extra, faudra que tu me dises quand même, parce que du coup, c'est fou si t'as renouvelé pour un an. Je te remercie énormément, puis surtout, je te dois éventuellement plein de blocs. Je te dois plein de blocs à remettre, du coup. Alors, on va chercher. Est-ce que c'est bon? Non, j'ai pas le seau de lait, tiens. Ça, le seau de lait, je l'ai pas, donc milk. Tu peux prendre la potion de force après avoir fait péter la TNT. C'est pas faux, ça, effectivement. C'est un bon conseil de random ici. Du coup, ça, je vais le mettre là, ça, je vais le décaler ici. Et éventuellement, potion d'invisibilité, ça c'est là. Et donc la potion de force, il faut que je la mette là. Et donc c'est vrai, c'est au moment où la TNT pète que je peux ouvrir l'inventaire, prendre la potion de force, c'est pas faux. J'ai eu un abo gift et j'ai sub 6 mois, là j'ai encore 5 mois. Donc c'est ça, c'est bien ce que je me disais. En fait là, ce que tu mets, tu dépenses les 6 mois que tu as mis. Parce que si tu veux, du coup. Twitch me. Tiens, regarde, je vais te montrer ce que j'ai moi sur le gestionnaire d'événements. Je vais te le montrer, je vais montrer à tout le monde. Hein. Je vais mettre une capture d'écran dans le chat. Et du coup, voilà ce qui s'affiche. Et donc, je ne peux pas savoir si tu viens de renouveler à nouveau pour 6 mois. Tu vois? C'est parce que ton gift, enfin ton abo principal, c'était un abo de 6 mois. Du coup, il continue de me le dire. C'est foufou. Alors, on en était où? Là, on disait que la potion de force, on peut la prendre après. On va voir si ça marche comme ça. Là, j'ai Water Breathing Invisibility. Donc, ça, a priori, c'est bon. Donc, l'idée, c'est que je me TP pas. Je demande où est le. Je demande où est le. Tut. Je demande où est le temple. Ensuite, quand j'ai demandé où est le temple, j'essaie de l'avoir en Elytra pour aller sur les bonnes coordonnées. Et tiens, ben, je peux aller me poser par exemple dans la montagne. On va aller se poser là-haut pour l'instant. C'est juste histoire d'essayer de déterminer dans quelle direction on doit partir. Et alors ici, hop, on se met comme ça. Ah ben non, là je peux pas parce que je peux plus faire les commandes. Ou alors si, mais bon, hop, voilà. Alors, 14 080, 14 554. Donc là, ici, c'est le deuxième chiffre qui bouge. Donc c'est dans ce sens-là que ça doit bouger, celui-là. Là, ça réduit. Donc c'est dans l'autre sens. Donc c'est par là qu'on doit aller. 14 080. Et qu'est-ce qu'il a dit l'autre? 14 554. Donc c'est par là. Ah non, on est à 500 blocs de chaque côté, donc en fait il faut aller en diagonale, je dirais, par ici. Non, par là ça augmente, donc du coup comment par là?
Je crois que c'est par là qu'il faut aller. Donc du coup, on va se mettre comme ça. Et on va essayer d'aller par là et on essaye de trouver le temple de la mer. Le problème, c'est que ça charge pas. Je vais faire un demi-tour rapidement, juste histoire de prendre le temps que ça charge. Ouais, toujours pas clair chez Twitch. Bah oui, t'as vu ça? Alors, 14 080, là, on devrait pas être loin, en vrai. Et le problème, c'est que du coup, ça ne charge pas. Là, il y a l'air d'avoir beaucoup de poissons. Je me fais monter exprès. Ah, il est là! Alors, hop, on va prendre en premier la potion d'invisibilité. La potion de water breathing. Comme quoi, c'est assez facile à trouver en vrai. Du coup, on fonce d'un côté puis de l'autre. Pour l'instant, on n'est pas détecté, donc ça va. Là et là. Jusque-là, ça a l'air d'aller. Hein, au niveau détection, c'est pas mal. Et en vrai, j'avais dit à Flute Silhouette que j'avais vachement peur des noyés et tout. Et c'est tout à fait vrai. Et elle m'avait dit, non mais tu verras, ils te détectent vraiment pas. Ben, félicitations à elle, c'est vrai. Hein. C'est tout à fait vrai. Alors, la potion de force, normalement, je peux la prendre ici. Voilà, et comme ça, je devrais avoir assez pour buter. Alors, il est où, PPR? Il est là. 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, définitivement, c'est plus court puisque j'ai mis 7 coups d'épée. Et 100, j'en mets 10. Est-ce que vous voyez des... Ouais, ici, peut-être. C'est des guardianes. Est-ce que j'ai eu l'éponge? Bah du coup, je sais pas parce que... Là, j'en avais 27. On verra si j'ai les autres. Alors, où est le... Là. Il est là, le trou. Allez! Hop, ça c'est fait aussi. Question, est-ce que j'ai eu... J'ai toujours 27, donc comme quoi je récupère pas facilement les éponges. Hein. Je sais pas où elles sont les éponges. Ça va peut-être décoller là-haut du coup. Ça c'est un problème quand je le tue au-dessus du trou. Le souci c'est qu'on n'a pas forcément les... 28, tiens, ça y est, là on l'a eu l'éponge. Par contre, je sais pas si j'ai eu les templates, je crois pas. Si, j'en ai eu un. J'ai un Tile Armor Trim, c'est très bien. Donc là, il faut que je dégage la potion pleine d'eau, que je reprenne le sable. Et ensuite, je vais en haut maintenant. Là, ici, on fait ça, pas du tout. Et donc, effectivement... Wow, par contre, j'ai été affectée. Voilà, je l'ai eu en 6 coups même carrément. On a bien eu l'éponge. Là, on a des déchets. Mais a priori, ça marche. Donc là, a priori, c'est bon. Et donc, on va pouvoir descendre ici. On peut remonter maintenant ça. On n'a pas besoin du reste. On a besoin de ça. Ça, on peut le poser. On a besoin de ça. Et donc, on va se faire la petite cabane qu'on avait dit. Dégage. Ah, par contre, ça, c'est chiant. Dégage de là. Toc. Voilà. Et donc là, on est tranquille. Et maintenant,
On peut déjà souffler 5 secondes. Donc apparemment, ça a l'air de bien fonctionner. Jusque-là, on ne peut pas dire le contraire. Ça fonctionne très très bien. C'est-à-dire qu'on n'est effectivement pas détecté. On arrive en Elytra, on trouve très très bien le temple. Donc a priori, c'est pas mal. Là maintenant, il va falloir ravoir des potions en bas. Et puis, il va falloir aussi prendre le lait, en fait, déjà d'abord. Voilà, donc là on fait disparaître le mining fatigue, mais bien sûr que là, bah là on est tranquille, on est dans l'air et tout va bien. Mais il faut prendre absolument le water breathing et l'invisibilité. Voilà, et donc bah, à partir de là on a 5 minutes, et donc ce qu'il faut qu'on fasse descendre ici, ça c'est toujours les potions vides, c'est là où, parce que là où on en aura besoin si jamais on a les, si jamais on a les éponges évidemment. Pour les dégager vite fait. Alors techniquement il faudrait que j'ai ma hache, mais on voit qu'on s'en sort sans la hache, donc ça fait une case de moins quand même au niveau de l'inventaire, donc c'est pas plus mal. Et alors bah, à partir de maintenant il faut absolument ouvrir les côtés des murs. Là je crois qu'on va vers dehors, ouais c'est ça, donc j'avais raison, là c'est dehors. Donc là peut-être ici on va trouver les fameux toits là. Soit c'est la voie cou... Ah ben, allez. Allez, ok, c'est bon. Donc là, on a dit qu'on avait 29 éponges. Donc on pourra faire la différence de combien on en a trouvé. Et donc ben là, j'ai dit, le mieux, c'est d'avoir des portes en vrai. Parce que l'intérêt des portes, c'est qu'une fois qu'on est dans la porte, on a une force classique. On enlève les éponges quasiment du premier coup. Et c'est énormément de temps de water breathing gagné de faire comme ça. Bon, ça a l'air d'une façon de faire validée, effectivement. Hein. Je ne sais pas ce que vous en dites, mais là, jusque-là, ça s'est passé sans accroc. Je ne sais pas ce qu'il y aurait de différent en survie sur le hardcore, mais en tout cas, on est plutôt bien parti. Voilà, la porte, je la laisse parce que je m'en fous. Du coup, on va continuer ici. Là, c'est le petit couloir où, du coup, on ne sait rien. Enfin, on ne sait rien, on ne voit rien de précieux, mais on peut toujours aller voir si jamais on trouve quelque chose. Voilà, bah là, du coup, on retrouve tout de suite ce couloir-là. On va pouvoir rentrer dans les salles une par une. Là, on voit les blocs d'or, là-bas, par exemple. On peut aller tout de suite au bloc d'or, au pire. En sachant qu'après, il faut se rendre derrière nous par là. C'est par là de là qu'on vient. Je pense que là, la technique, elle est déjà beaucoup plus validée avec les potions d'invisibilité. Effectivement, ça marche bien. C'est plutôt cool. Et donc, on devrait pouvoir se faire ça probablement sur le hardcore demain, du coup. Et ça me fait peur parce que je veux vraiment pas perdre cette map. Là, ici, franchement, je suis pas trop anxieuse parce que forcément, j'ai pas d'enjeu. Tiens, là, j'en suis où? 5 minutes. J'ai pas d'enjeu, donc ça va. Là. Allez, mais monte. Voilà, là, en vrai, on pouvait les voir tout à l'heure. On aurait pu descendre, mais... Ok, là, c'est le bloc d'or. Et c'est à ça qu'on voit qu'elle est très grande. La technique est plutôt efficace, vraiment bien, je suis surpris. Bah oui, j'avoue, hein. C'est vraiment un truc, on peut pas dire que c'est pas rapide, quoi. C'est rapide, c'est sécurisé, et je n'aurais jamais cru me sentir autant en sécurité alors que je suis complètement sans armure. Vous voyez que au niveau de l'armure, j'ai rien du tout, hein. Zéro, juste un peu d'Elytra, c'est tout. Ah bah là, c'est là où j'étais, et du coup, on était parti là-bas, donc bah, c'est pas grave, on continue. Là, du coup, normalement, on va être dehors, je crois. Ouais, là, c'est dehors. Là, on va tester là, c'est quoi ça? Ouais, c'est juste de la prismarine. Oh, mais c'est un dauphin. Et il me donne pas Dolphin's Grace. Saleté. Vous avez remarqué que le dauphin dans le temple, il m'a pas donné Dolphin's Grace? Ok, là, c'est là où on a percé les trous tout à l'heure.
Qu'est-ce que tu es en train de faire, toi? Oui, il va y repasser par le trou. Ça, c'est le bord extérieur aussi. Oui, c'est le bord extérieur. C'est quoi ça qu'on voit? Ouais, c'est des gardiens. Là, c'est par là que je suis repassée. J'ai l'impression que j'ai pas tout fait, hein, loin de là. J'en suis où au niveau des... J'en suis où au niveau des potions? 3 minutes. Parce que si c'est ça, on va pouvoir se faire... Ah ben on revient là en fait. Donc il faudrait descendre un étage maintenant. Voilà, là, et commencer à creuser ici dans les autres murs. Parce que si c'est ça, si ça marche vraiment bien, on va pouvoir s'en faire plusieurs des temples et du coup aller chercher tout plein de potions en vrai. Et c'est pour ça que je voulais avoir une potion de Ace parce que c'est un peu compliqué, surtout quand il saoule là. Là, on va vers l'intérieur du temple. Là, c'est là où il y a l'or, mais du coup, j'ai déjà pris. On va essayer de, je sais pas, d'aller voir par là. Là, c'est une espèce de coursive, si on va voir là-haut. Ok, là, on est dehors. Là, c'est le bord extérieur, donc de l'autre côté, peut-être, plus bas. Quoique, c'est de là d'où on vient, en fait. Ici, peut-être. C'est vrai qu'effectivement, on n'est pas détecté du tout. Il faut que je fasse juste gaffe à l'arrêt de la potion, parce que l'arrêt de la potion, c'est vraiment ça qui va signifier le danger de mort. C'est vraiment ça. C'est l'arrêt des potions de respiration. Et encore, parce qu'en creusant dans les murs, on peut peut-être arriver à trouver quelque chose pour se faire de l'air. On peut mettre une porte même au pire. Vous voyez, arrêt de la potion de respiration, pas de souci, voilà. Je fais ça et ça va tout de suite. Par contre, arrêt de l'invisibilité, là on est très très mal puisqu'on est tué littéralement en quelques secondes. Hein. Ok, là on est sur l'extérieur. Allez, mais dégage, ils sont chiants avec leur hitbox. Bon, là il va falloir que je reprenne. Elle est où? Invisibilité tout de suite parce qu'on est à 37 secondes. Et potion de water breathing. Je me rends pas compte combien de temps ça fait là le. Je me rends pas compte combien de temps ça fait l'exploration. On a pris quoi? Deux potions du coup? C'est la troisième que je prends. C'est pas mal en vrai, 15 minutes pour faire un ou 20 minutes pour faire un temple. Ça, c'est l'extérieur. Du coup, ça doit être l'extérieur aussi, il y a des chances. Par contre, dans celui-là, on n'aura trouvé qu'une seule. On aura. Allez! J'avais qu'à rien dire. Ou plutôt, c'est bien que je l'ai dit. J'allais dire, on va trouver qu'une seule salle des éponges. Eh ben en vrai pas du tout, regardez-moi ça. Quel gain de temps, hein, regardez-moi ça, quel gain de temps incroyable. Ah là, il faudrait que je remette une autre porte. C'est pas mal d'emmener un stack de portes parce que du coup on se sent pas gêné, on les laisse sur place. Ça fait d'autant de points qui permettront de respirer après si jamais c'est nécessaire. Et ben là, ça fait ça. Est-ce qu'il y en aurait encore des salles derrière? Là, c'est l'extérieur, donc ça, c'est non. Comme quoi, il faut continuer un petit peu, hein, parce que tout à l'heure, j'étais prête à m'avouer vaincue en me disant il n'y aura plus d'éponge maintenant.
Là, c'est l'extérieur aussi. Donc, celle-là, c'est une salle du coin, d'accord. Là, du coup, on a peut-être un peu dans la largeur. La deuxième salle, j'aurais pu ne pas la trouver en vrai, hein, parce que si j'avais pas persévéré. Qu'est-ce qu'ils font, les gardiens, là? J'essaye de. Ok, ça on l'a déjà fait. Là, du coup, il n'y a rien de plus. On dirait qu'ils sont en train de se. Ben oui, ils sont morts. J'ai vu de la fumée de mort là. On dirait qu'ils sont en train de se mettre sur la gueule, je sais pas. Ils essaient de décider qu'est-ce qu'il y aura pour déjeuner. Ils sont pas d'accord. Il y en a un qui a dit du poisson et l'autre qui a dit non, un autre poisson. Je pense que là, on a à peu près fini l'explo. Qu'est-ce que vous en dites de votre côté? Tiens, vous savez quoi? Hop, j'arrête ça, comme ça, ça arrête les potions. Et on va faire un poll. Et on va voir si vous avez raison. Je vais vous demander, du coup, pensez-vous qu'il y a encore des éponges? Et donc, vous pouvez dire non ou oui. Voilà, et on va mettre, attention, c'est 2 minutes les amours, le sondage vient d'être lancé. Donc si vous êtes en AFK, n'hésitez pas à revenir, du moins dans un autre onglet, n'hésitez pas à revenir pour voter, pour me dire si vous pensez qu'il y a encore des éponges. Vous pensez qu'il y a encore une salle avec des éponges? Ben, on va continuer à chercher alors. Là, il nous reste 5 minutes pour continuer à chercher. Là, on a ouvert, là, on a ouvert, là, on a ouvert aussi. Donc on va essayer de chercher par là, on n'a peut-être pas ouvert par ici. Je connais pas bien les temples, je vais être optimiste. Après, le but, c'est aussi de pas forcément se perdre. Allez! Eh ben, écoutez, vous avez votre réponse. Et c'est incroyable, j'étais persuadée qu'on avait déjà tout vu, j'aurais laissé tomber. Bah, comme quoi, il faut emmener un max de potions et il faut prendre le temps. Hein, parce que là, en plus, il y en a un sacré paquet, regardez-moi ça. Incroyable! Et là, regardez, il y en a même quasiment sur 2 couches. Il y en a sur 2 couches d'épaisseur. Donc du coup, on va se retrouver avec 1,5 stack d'éponges, là. Il faut un chat. Mais il faut toujours un chat. Heureusement que vous êtes là, mes amours. Hein. C'est vrai, franchement. Il va être l'heure de prendre un bout de fromage. La botte. Il perd pas le nord. Hein. J'aime bien les paniers anti-gaspi Leclerc. Hein. Je ne sais pas si on a parlé de ce bon plan ici. Leclerc fait des paniers anti-gaspi qui viennent de sa centrale d'achat. Hein. Ce n'est pas chaque supermarché qui fait ses paniers. Les produits retournent à la centrale d'achat et ensuite ils sont ensuite ils sont partagés dans des paniers à peu près équilibrés pour faire un peu des repas. Il y en a 3 salles en général. Bah tu vois, je pensais que moi c'était aléatoire, qu'il y avait 1, 2, 3 ou 4 salles et qu'en gros il y avait même des temples où il n'y en avait pas du tout. Ça on vient de le voir tout à l'heure ce qu'il y avait. Ça j'ai percé ici, j'ai percé là, j'ai percé là, j'ai fait partout. Est-ce qu'il faut percer là? Je pensais qu'il y avait des temples où il n'y en avait pas et des fois 1, des fois 2. Et rarement 3 et encore plus rarement 4, tu vois. Je savais pas qu'il y en avait 3 salles. C'est toujours bon à savoir si ce que tu dis est vrai. Et je te crois, hein, JD. Parce que du coup, ça veut dire qu'il faut absolument que je pense à... Quand c'est penché comme ça, c'est que c'est le truc extérieur. Donc là, c'est non. Ça veut dire qu'il faut, tant que j'en ai pas trouvé 3, au moins, je peux persévérer, quoi. On en est où? 2 minutes 30. Quand j'en suis à 30 secondes, ou même moins, ou plus, je veux dire, il faudrait que je parte, hein, parce que sinon c'est un peu dangereux. Ici, on l'a percé. Ça, c'est l'extérieur, ok. Du coup, là, c'est pas l'extérieur, mais on y avait déjà été.
Après, l'intérêt en plus de miner comme ça, c'est que ça fait des matériaux pour pouvoir faire derrière le truc pour respirer dans l'eau. Et ça, c'est trop bien. On en est où? 1 minute 30. Là, j'ai l'impression qu'il n'y en a plus, moi. Wow, là, j'ai quoi? J'ai le Dolphin Voice, on dirait pas pourtant. Parce que c'est comme tout, après, il faut pas que je me perde pour essayer de retrouver mon chemin pour sortir quand j'aurai presque plus d'eau de water breathing et d'invisibility. Hein. Bon, ben là, écoutez, j'essaye de voir partout. Là, on voit rien. Là, on peut monter. J'en suis où? 49 secondes. Allez, il faut qu'on essaye de trouver la sortie. Ou alors, il faut qu'on se la crée. Allez. Voilà. Allez, hop. Donc là, on cherche ça. On met vite, avant qu'on soit plus invisible et qu'on se fasse buter. Voilà, et on s'en va au soleil couchant. Ouais, j'ai les bras levés, vous pouvez pas me voir, j'ai pas la caméra. Mais écoutez, ça a bien marché en vrai. Hein. Franchement, c'est incroyable. Là, en plus, du coup, ça nous laisse un bitonio pour nous dire que ben, ce temple-là, on l'a déjà fait. On va essayer d'aller se mettre quelque part par là, par exemple. Wow. Voilà, comme ça, on a vu là-bas sur le temple. Et alors, regardons un petit peu les trésors qu'on a eus. On a eu un Smithing Template Tide. Je ne sais pas s'ils le donnent tous, parce qu'en tout cas, dans tous les tests que j'ai faits, j'en ai pas eu à chaque fois. Par contre, ce qui est incroyable, c'est qu'on a eu un stack et demi d'éponges, puisque, et je crois me rappeler qu'on en avait 29 en arrivant, et que j'étais pas sûre que ça soit 28 ou 29. Et là, regardez, on a 64 plus 54. Donc, en gros, un stack et demi, un peu moins. Donc, c'est quand même assez incroyable, en vrai, comme méthode. Et donc, ben, du coup, ce qu'il va falloir faire, probablement, c'est aller préparer plein de potions d'invisibilité. C'est aller préparer plein de potions de water breathing, etc. Et puis, il va me falloir, évidemment, des TNT. Il va me falloir du sable et ainsi de suite. Eh ben, écoutez, ça me paraît bien. Alors, je pense, mes amours, que ça va être un petit live aujourd'hui, tout petit. Là, on a bien testé les choses. Mais moi, là, comme vous avez vu, je suis un peu fatiguée. Je suis encore sous le coup des émotions de cet après-midi. Et puis, du coup, ben, ce que je veux faire, c'est être complètement en forme pour demain. Donc, je pense que je vais d'ores et déjà vous laisser là, mes amours. Je sais, c'est très court pour un samedi. Mais j'essaye de faire ce que vous me dites, à savoir m'écouter quand il y en a besoin. Et là, je pense qu'il y en a éventuellement besoin. Merci beaucoup à vous d'avoir été là ce soir, parce que ça veut dire que grâce à vous, là, on a trouvé le bon ordre pour faire les choses, notamment le coup de la potion de force à boire après. Quand on a fait péter les trucs, c'est pas con, parce que du coup, comme ça, j'ai eu assez pour faire les trois. Donc, bah écoutez, je vais vous donner rendez-vous demain à 18h30. Et cette fois-ci, je pense qu'on va aller les faire. Et avant ça, moi, j'aurais sûrement déjà avancé un peu la préparation. Je vais faire des potions dans la journée, etc. Et puis, bah, comme ça, on sera tout paré. Et on va aller récupérer les éponges pour de vrai. Et on pourra vider les petites maisons, etc. Et j'espère que ça se passera aussi bien que ça s'est passé cette fois-ci. En vrai, je pense que je continuerai un peu les entraînements aussi hors stream ce soir ou dans la nuit, parce que j'avais là je vous avoue que je suis encore sous le contre-coup du petit problème relou pas grave, qui est toujours pas grave mais qui est toujours relou en fait. Mais alors, ça va? Oui, mais il n'y a plus de respect du tout. Tu vas te calmer tout de suite. Voilà, je suis toujours sur le contre-coup du petit problème de la semaine dernière en vrai. Donc là, ça devrait aller pour faire un temple demain. Mais en tout cas, je préfère me ménager autant que possible et être en forme demain et bien réussir. Et donc, bah du coup, hop, on éteint ça ici. On va se mettre sur la petite scène de raid
Voilà, deux bélous. Et puis, eh ben, du coup, on va aller voir à qui on peut faire un petit raid de l'amour, les gens. À qui peut-on envoyer de la force et du love? Tiens, ça me fait penser, justement. J'ai découvert, je traînais sur cuisine et boisson, là. Et puis, justement, j'ai trouvé une jeune fille qui s'appelle Mademoiselle Erwina et qui fait de la cuisine et qui n'a pour l'instant que 12 followers. Et ses streams sont très sympas. Donc, à l'occasion, si je la vois en stream, je l'ai suivi, on ira lui faire un petit raid. Tiens, bah, on a Cardian, les amours, on va aller voir Cardian. C'est un super copain de Chunkmania, c'est là-bas que je l'ai connu. Il fait, là, il fait des... Ouais, comment... bah, à mon avis, là, globalement... Attendez, je vais baisser son son pour le moment. Il fait des cités de l'End, des cités du Deep Dark. Il fait 100 cités Deep Dark. Alors donc on va aller chez Cardian, et puis Cardian il vient de commencer les streams, c'est seulement son deuxième stream. Et du coup bah, il faut aller l'encourager, il faut aller lui envoyer du love, c'est un garçon très gentil. On a en commun d'être passionné de plantes notamment. Et du coup bah, voilà, n'hésitez pas à venir à copier-coller le Love Colors, on va faire le point d'exclamation Love Colors. Et puis ben du coup n'hésitez pas à venir l'encourager, on va lui montrer ce que c'est qu'un raid Twitch, qu'est-ce que vous en dites? Vous copiez-collez le paragraphe là des couleurs du Love Colors, et puis on va lui envoyer tout plein d'amour, n'hésitez pas à venir blinder son chat avec les cœurs pour qu'il voit ce que ça fait de se faire raid. Je pense que, je sais pas s'il a déjà été raid durant l'autre stream, mais écoutez, moi je serais ravi en tout cas de lui envoyer du love et puis toute cette commu qui est pleine de compassion et d'amour. Du coup, merci énormément à vous d'avoir été là, évidemment. Merci de votre soutien, de votre présence. On se retrouve du coup demain. Pour le stream du temple, hein, demain 18h30. Et sinon, je vous dis bien volontiers. À la prochaine, plein de love sur vous les gens, plein d'amour. Je vous embarque et puis je coupe le micro. Des bisous à tous. Du coup, prochaine cité, la 17e. Elle est pas loin normalement. Elle est en moins 5608. En moins 5600, c'est dans cette direction déjà au minimum. Moins 6000. Par là-bas. Oh, merci Chrysalia pour le raid. Comment tu vas depuis tout à l'heure? Bonsoir à tous. Tu faisais quoi? Attends, empêcher les émotes. Quelles émotes?